Il est un peu plus de 21h hier soir. Guitare sur le dos, entouré de sa famille et de ses avocats, Antoine Pietri, le jeune berger de Sotch, accusé d'avoir tué Patrick Julien le 4 novembre 2017, sort de la prison d'Ajaccio. On va reprendre le travail, oui, de suite. Pour rester. Il vient d'être acquitté par la cour d'assises. Après trois ans de bataille judiciaire, il a été entendu et ce soir il est libre. L'avocat général avait demandé 25 ans à l'encontre d'Antoine Pietri. Selon l'accusation, la balistique, l'ADN retrouvé sur des cartouches constituaient des preuves incontestables de sa culpabilité. Après le verdict, la famille de la victime n'a pas souhaité s'exprimer. Je suis partagé pour ma part, effectivement. On a opposé, en tout cas lors de cette audience, l'émotion à la raison. On a tenté, effectivement, de notre part, de faire valoir la position de la raison avec des faits objectifs. Ça n'a pas emporté la conviction. Nous sommes venus chercher des réponses, donner la lecture que nous avons faite de ce dossier et la raison pour laquelle notre place était encore légitime sur les bancs de la partie civile au regard des éléments objectifs. La Cour a décidé d'acquitter Antoine Pietri. Je n'ai pas à en connaître les raisons, je ne les connaîtrai probablement jamais. Ils n'ont pas à en rendre compte. Nous verrons par la suite si le ministère public entend interjeter appel. La Défense avait fustigé une enquête bâclée, se focalisant sur Antoine Pietri, rêvant d'élever ses chèvres au village. 6 jours de combat, de longs combats, des débats assez âpres. Et enfin, on a entendu une décision juste. Le parquet a 10 jours pour faire appel.